Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Fallen Order en difficulté maximum, tant que ça passe. On avait vaincu la 9e sœur. J'ai galéré, j'ai en vrai duré quand même un bon 40 minutes, mais en vrai le combat était très appréciable. Pas si compliqué que ça, maintenant on pourrait dire, ouais mais t'as quand même... Enfin, bloqué pendant 40 minutes, oui. Mais je pense que c'est surtout parce que je suis un rouillé de ce genre de jeu. Voilà. Je pense qu'il se faisait plus rapidement en vrai. Allez, on continue. Allons-y. Hé, hey, y avait pas une épave gigantesque sur Zepho? Y a peut-être un truc à en tirer. Oh le gamin, ils viennent de me teaser un truc. Il y a une épave gigantesque sur Zepho. Oh les gamins. Vous voulez qu'on aille sur Zepho vite fait? 4, 5 secrets, 21 sur 27. C'est pas mal quand même. 4 sur 16, 3, 6 seulement Bogano. Il y a 43 coffres. Et 14 secrets. Waouh. Non. J'ai pas envie de compléter par ça parce que peut-être qu'on me renverra là-bas par histoire. On verra bien. Dis, si on arrive à reconstruire l'ordre, tu crois que les Jedi vont sortir de leur trou? Qu'est-ce qui te fait dire que des Jedi se cachent? Rien, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire, vert, aux oreilles pointues et... Est-ce que tu veux parler de maître Yoda? Oui, en effet, c'est une légende. Hein? Qui? Quoi? Non, je veux parler de Maître Yaddol. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas au mien. Pas de problème. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Attention, prenez-en plein la vue. J'ai un Jedi, tout roule. Ouais. Hé, hey, Cal, tout va bien? Entre elle et toi? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Tu sais, serré croit en toi. Mais pour ne rien te cacher, tu ne m'inspirais pas vraiment confiance au début. J'avais remarqué. Je veux dire, elle m'a quand même convaincu. Merci, de Bruce Pal. Suivre dans les pires endroits de la galaxie, alors. Ouais, c'est vrai. Bon, j'espère que vous réglerez vite le problème, qu'on puisse en finir avec cette quête, et aller se détendre un peu. Il est mignon parce que du coup, il essaie de casser l'ambiance froide qu'il y a eu. C'est le copain, ou la copine, comme vous voulez, mais dans le groupe qui... Quand il y a un froid, quand ça se prend un peu la tête, tu vois, bah, il veut briser cette glace parce que... Bah, pour que dans le groupe, il y ait de nouveau la nouvelle ambiance, quoi. Une bonne ambiance, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a moyen de... C'est vrai que j'adore modifier à chaque fois un peu mon sabre, donc non, je crois que j'avais déjà fait. Et merci Adrien du coup d'être passé. Oh, vous croyez qu'on peut passer par l'échelle? Non. On va méditer vite fait et on sera bon. J'espère que ça va bien se passer d'ailleurs ce rendez-vous, Adrien. Allez, allons prendre du plaisir à tryhard les passages. Vous voyez mes petites plantes là? Il y a un petit bonsaï. Si j'avais une pièce éclairée et que je pouvais vous l'éclairer, en vrai je vous montrerais mes bonsaïs à moi. Mais tu as beaucoup progressé depuis Braca, mais il reste du chemin à parcourir. Ça, je veux que tu sois conscient des difficultés qui nous attendent. Je m'en sortirai. Je sais que tu en es capable, je ne dis pas le contraire. Et je sais ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai déjà fait. Cal, même les plus forts des Jedi... Je ne suis pas Trilla. Ça ira.
Je le sais très bien, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Tout va bien, Serré. Vraiment. Sois prudent, Cal. C'est tout. Cal Drogo. Dracarys. Pardon. Après dire crash des femmes, Cal Drogo, il le ferait pas vraiment, mais bon. Et à chaque fois que j'entends Cal, du coup... Donc on a un gros monstre ici, un peu casse-couille. Voilà. Et des araignées casse-couilles ici. Voilà, on perd de la vie un peu bêtement, mais c'est... J'aime mieux ça. C'est comme ça. Donc ça, je peux toujours pas y accéder, ça non plus, mais on peut aller là-bas. Donc on va là-bas. Alors est-ce que je vais me retaper les deux frères ? Là, regardez ! T'as perdu des moyens ? Cesse de fuir ! Allez, j'ai appris à te connaître, toi, ça me va. J'ai 3 points de compétence, mais je les garde. Hein. Parce que j'attends de tomber sur une difficulté pour justement réfléchir à qu'est-ce que je vais prendre pour ce combat. Bon, visiblement, je peux aller en face. Oui, je crois que j'ai débloqué un raccourci à la base. Il est en dessous. D'accord. Approchez-vous de lui. Il tente de s'enfuir. Il a fait un effort minable. Un autre steam. Datomy réclame ton sang. Tu n'auras pas tout évité. Voilà. Évite de perdre trop de vie sur ce trail là, il est chiant. Elle est où le junkie? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Comment vous en savez autant sur la sœur de la nuit? J'ai observé. J'ai vu bien des choses depuis mon arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout doit-il avoir un sens? Trop de grands esprits se sont perdus dans leur quête d'un... ordre. Je vais devoir y aller. Il est rigolo lui. Et voilà, et ça se débloque grâce à un double saut. Super! Attendez qu'il retombe. Ah, la truie est affaiblie. Reviens là. Mes frères, ok. Ils sont casse-couilles, eux. Après, je pense que je pouvais repousser un assez facilement. Ouais, ça doit être un truc comme ça, utiliser un peu de force pour ça. Bah, du coup, à partir de là, je suis obligé de me retaper eux. Un ennemi en dessous. Ah, viens là.
J'essaie de me coller parce que je peux pas avoir celui d'en haut. Voilà. Eh, viens là. J'ai besoin de toi, BD. Ah, putain de caméra de merde. Perdre la vie pour rien parce que la caméra, je la... Je sais pas ce qu'elle visait d'ailleurs. Ah bah ça y est, l'apothicaire n'est plus là quoi. Voilà. Ah, oh, le petit piège pourri là. What? On peut grimper, mais pas sans équipement. Quoi? Oh! Meurs! C'était nul comme interaction. Beurre. Oula, par contre ici c'est... J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Oh bébé. On peut dire que tu sais t'amuser. L'autre il arrive juste, il jette un caillou ou meurt. Bon bah alors là ça c'est une facilité pour te justifier le truc. Allez, super. Un petit quatrième point peut-être. Non, bientôt, bientôt, bientôt. Voilà. Oh, j'ai cru que c'était un serpent pendant l'espace d'un instant, ce truc-là. C'est fermé. Ouais. Ah oui, mais ça... Ah! C'est vrai qu'instinctivement, on passe par là. Bah autant se concentrer alors. J'ai perdu de la vie bêtement, voilà. Et du coup on passe par là je suppose. Non pas du tout. M'a fait peur. Ah. Tu ne saurais aller plus loin. Écarte-toi. Non, ce qu'il disait était vrai. Quoi? Qui ça? Les Jedi sont des voleurs et des menteurs invétérés qui ne répandent que la mort. Recule. Si tu m'attaques à nouveau, je te jure que je te tuerai. Oh, je ne te ferai rien. Mais mes sœurs assassinées... Elles vont avoir leur revanche. Dark Souls ? Yeah.
Faut que tu m'aides. Elles font mal, mais elles sont pas folles. Encore des morts vivants. Il commence à faire mal quand même. T'as un truc pour m'aider ? Mais comment ? Enfin, explique-moi les morts vivants, s'il te plaît, dans Star Wars. Sœur de la nuit, mort vivante. Infatigable, capable de sauter et très agressif contre ses cibles. Attaquez en horde, ne vous laissez pas encercler. Voilà. On va passer en sabre double. Pour être un peu plus réactif au coup. J'ai besoin de toi, BD. Ok. Voilà, comme ça on fera un peu plus d'AOE. Et continue de nous envoyer ces morts vivants. Hein. Je sentais un truc comme ça. Elles n'ont même pas eu de funérailles. Toutes ces sœurs de la nuit mortes ici, elles n'avaient pas la moindre chance. Déchéance. Ces sœurs de la nuit n'ont jamais... Ok, en gros ça répète ce que j'ai vu quoi. Mais des morts vivants dans Star Wars, je n'étais pas prêt. Ça pour le coup, beaucoup de justifications, mais des morts vivants, je vous avoue que... agressif hein. En gros faut pas hésiter à claquer la force, surtout quand ça te fait des coups en traître. Ils aiment bien faire ça d'ailleurs dans Star Wars hein. Ils aiment bien, je sais pas si dans Dark Souls ils le font, mais ils aiment bien le petit côté tu vas mourir de temps en temps, genre parce que bah t'avais pas prévu ce coup là en fait. En fait, faut être plus agressif qu'elle. Techniquement, je pense que faut... Voilà. En fait, faut vraiment les empêcher d'attaquer. Moi je fais le moulin maintenant. Je fais le moulin avant moi. Maintenant je vois des... Non c'est bon, ici c'est pas ici le piège, c'est après. Dès que je vois des trucs... C'est un berserker le bordel. Ouais, faut vraiment être agressif. Et ça passe bien. Elles ont pas beaucoup de vie, tu les... En fait, tu... à partir du moment où tu les touches... Putain, ça a l'air... Eh, franchement, comme zone à visiter, bah je le... Prépa, qu'est-ce que c'est que là-bas, là ? Des morts vivants qui coopèrent avec des araignées, mais allô ? Pour leur mort. Et quelle mort ? Yo Tilon, comment tu vas ? Ah mais je... Putain, au lieu de faire ça, j'aurais dû faire ça et BAM ! BAM ! Voilà, je devais les enchaîner comme ça en fait.
Ah, attendez deux secondes. Je lâche ça, je regarde un truc. Regardez s'il n'y a pas des conneries ici. Il y a des serpents. Et je vois un trou là, ça m'intrigue, non? Bon, allez, go. Comment la sœur de la nuit arrive à nous suivre? Des utilisateurs de la force. Mais je ne l'ai jamais vue employée comme ça. Fais attention où tu mets les pieds. Attends, tu as des pieds, toi? Bah oui, il a des pieds. Il marche comment depuis le début? Tu veux, ça, tu t'appelles ça des pattes, mais... Je préfère pas le découvrir. Ah, moi non plus! Oh, il va se prendre un rocher. Bam, bah voilà. Vous croyez qu'il y a moyen de monter? Oh, je pense que c'est par là. Ah! Ah! Panique! Ok, d'accord. Après cette panique, sinon, bah écoute, je l'ai trouvé bien, mais je réserve ma hype à la sortie de Troïde pour l'OCS. Un ascenseur avec une magie les plus discutables. Ah, si c'est un ascenseur. La blague. Ah, c'est peut-être un raccourci. C'est probablement un raccourci. Ouh, petit coffre. Allez, BDO. Hein. Qu'est-ce que c'est, BD? Qu'est-ce que c'est, BD? Une nouvelle poignée. Bah c'est cool ça. Bah, en même temps elles sont un peu buggées donc bon j'en ai profité pour prendre de l'XP. Hein. Mais qui fait c'est la con sur les techno quantum et planète V4. Bah du coup tu vois Bruce Pal, moi je me méfie en fait parce que les technologies planétaires ça fait un moment qu'il les montre. Mais je garde, enfin je me hype pas là dessus. Parce que on les a souvent vus en fait dans les confs, les technologies de planète, etc. C'est sûr que c'est toujours époustouflant chaque année. Ah. On a des bonhommes. Ouais, voilà. Si je devais faire une petite parenthèse rapidement, c'est que là, l'OCS, j'en suis fan. Le commerce, j'ai trouvé ça pas mal. La météo, j'ai trouvé ça ouf. L'effet de météo, pluie, tout ça, tempête, j'adore. La bâche, on l'avait déjà vu ça, une fois en vidéo, je sais plus quand, mais il parlait d'une bâche assez physique. On l'a vu du coup en présentation directe, là, Cyclone du coup. Mais ma grosse hype, c'est l'OCS. Mais pour le choix hype, il va falloir que ça passe, enfin que ça soit vraiment en 3-8 pour moi. Comme j'ai dit, quitte à sacrifier le plaisir des joueurs, il faut surtout pas le retirer si ça marche pas. Les runes des frères de la nuit. Tu penses qu'on approche d'un village? Écoutez, je veux juste discuter. Quelqu'un est là? Tremble de peur. Un Steam BD. Reviens là. Découvre ton faible. Un autre Steam. Ne lâchez pas. On te laissera pas faire.
Ça m'étonnerait que je survive avec zéro. Sauf si... Ouais, là, non, mais... Avec des sœurs mort-vivantes, voilà, quoi. Avec techno, création de route, avec les ressources... Non, quand je parle de les routes de commerce qui présentaient là en technologie où ça influait demande, offre et demande quoi. Voilà. L'ascenseur, quoi. Qui marche comme les autres à cause d'une croix blanche dessus. On explique la technologie, c'est la force, c'est ça? Tiens-toi prêt. On ne sait pas de quoi cet étranger est capable. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Toi, approche doucement. Découpe ton faible! Reviens là. Tu ne peux pas cacher tes faiblesses. Il est presque mort. Askim BD. Il soigne ses blessures. Arrêtez-le. Il est mort dignement. Ok, et après j'ai des sœurs agressives. Caméra du cul, caméra du cul. Caméra du cul, caméra du cul, caméra du cul, cul. Pardon. Non mais en même temps, hyper désagréable la caméra quand t'es dans des endroits restreints. C'est moche quoi. Mais arrête de regarder! Quelqu'un a été pris en chasse. Prépare-toi à mourir, étranger. Ah, j'aime pas quand ils font ces coups-là. Où ils... En fait, ils veulent que tu meurs, tu vois. Mais des fois, par le seum de là où tu es positionné. Ou alors, je sais pas, ils essayent de t'apprendre que la grille, c'est pas bien. Je comprends pas bien. Oh. Faut pas se jeter sur les loots. Peut-être qu'il y a un côté donneur de leçons sur les loots. Je ne sais pas. Oh là là. Oh putain, j'ai eu chaud. Mais de quoi aidez-moi?
Tire ta flèche pourrie là. Vas-y, tu me snipe. Putain, ils vont m'obliger à venir. Ne le laissez pas esquiver. Eh, viens. Argon, c'est mort. Ah ouais, j'ai quasiment plus de vie. Ça va être dur. Voilà. Fais voir ça. Oh, un câlin entre une araignée et... Domestication des araignées, c'est ça? Ils étaient copains avant. On se moque pas. Alors, on a une porte ici. Ok. Oui! C'était tendu, hein. J'avais plus de steam, hein. J'ai 5 points par contre. Ah, on va regarder. Avec 5 points, on fait quoi? On fait beaucoup de choses avec 5 points. Avec 5 points, on se met bien. Ça, c'est 1 point. Ça, c'est 2 points. Je serais plus chaud pour la santé maximale ou les soins de Steam. Voilà. Puissance des Steam augmentée. Parce que des fois, peut-être que là, ça me permettra d'en utiliser qu'un au lieu de deux pour me mettre full. C'est pas. Hein. Il va devoir faire mieux que ça. Voilà, il n'y a rien ici. C'est bizarre. Il n'y a rien. Oh, là-bas, si. Attendez, comment on y va là-bas? Tiens, tenez, regardez. Bande de petits malins. L'étranger est plus puissant que nous. Déposez vos armes. Nous devons nous rendre. Alors, le problème, c'est que je pense qu'en fait, l'étranger dont il parle depuis le début, c'est le junkie. Et que nous, on est confondu avec le junkie. Parce qu'il nous juge parce qu'on a un poncho. Voilà. Si vous avez apprécié ma théorie, n'hésitez pas à lâcher... ce que vous voulez en fait. Non, pas un paix dans la salle, c'est pas agréable. Bah, c'est ce que j'ai pris là il y a un instant, Tinon. C'est le son d'estime. Non! T'es chiante. Laisse-nous tranquille. Salle de boss? Salle de boss! Oh putain! Un autre steam! Très agressif le bestiau, hein. Putain, mais il fauche à une vitesse! Pa! En fait, faut clic.
Ouais, le mec avec sa robe noire, le cultiste, là. Je pense que c'est lui qui fout la merde. Bizarrement, il a disparu quand on a commencé à passer à... Va-t'en. Non. Bon, lui, il est assez vénère comme truc. Ah, mais en fait, il en fait 4 au moins. Il fait 4 à 5 coups, je crois. Faut que je les compte. Faut que je les compte pour comprendre. Parce que t'as envie de te dire quand c'est 2, c'est terminé. Mais non, 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 lui, il arrête jamais, lui. Yo, Valkyns, merci beaucoup pour ton raid. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue, du coup, ceux qui regardaient Valkyns. T'étais sur Star Wars, là ? Peur, Jedi ? Fais front et bats-toi ! Alors, il me fait perdre un peu de la vie bêtement, lui, mais bon. Pas grave. Voilà. Je vais essayer avec ce sabre-là, plutôt. Et il met un dernier coup quand il crève. C'est la pire des raclures, ça. Non, SC, mais les deux sont futuristes. En soi, oui, on quitte pas l'espace. Et Dak intérieur est un adversaire redouté par les frères de la nuit, même si certaines légendes disent que les sœurs de la nuit savaient le dresser. Les Nidak sont des créatures solitaires qui ne se regroupent que rarement en meute une fois adultes. Leur seul prédateur naturel est l'immense Gorgara. Dites-moi, c'est pas un peu un truc très gros à donner. On est sur Datomir. Flore et faune. Le problème, c'est que j'aimerais bien aller sur lui, justement. Comment on fait pour les créatures, déjà? Je ne sais plus. Guide tactique, non. Non, c'est du coup Datomir. Voilà. Je vais essayer de comprendre. Ne relâchez pas votre garde pour contrer ses nombreuses attaques. Voilà. Multipliez les parades pour déstabiliser cet adversaire. Ok, donc en fait lui, ok. Il faut vraiment parade longtemps parce qu'il fait une multitude. Alors, est-ce que c'est un cul-de-sac? En tout cas, il y a une cage. Excusez-moi, d'abord l'écho. Oula. Des sacrifices. Bon appétit, Valkyns, et merci encore. Je crois que t'en es plus loin que moi parce que je t'ai vu plus souvent live dessus. Oh ! Non, c'est bon. D'accord, mais j'en fais quoi de cette cage ? Ah, ils veulent que je remonte avec. D'accord. Ouais. Oui, je vais te permettre dans un instant, Bruce Pal. Attends.
On vient de là-bas. Ok. Ah, par contre, je peux pas regarder ce que c'est tout de suite. Grosse ambiance. C'est sûrement ici que vivent les frères de la nuit. Par là. Grosse. Seulement si on n'a pas d'autre choix. Oui, je te comprends. Non, je viens pas de là. Ok, on peut l'avoir. C'était gratuit. Alors c'est marrant parce qu'on est un peu celui qui attaque quand même les frères de la nuit. Hein. Je dis ça comme ça, mais... Il y a des tireurs. Il y a des cailloux... Jusqu'à là, ok. Oh merde! On est plus haut, je crois que j'ai raté... Non, non, c'est bon. Non, 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 c'est bon, je crois que... Non, 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 ok, ok. J'ai rien loupé. C'est l'étranger, il a baissé le pont. Abattez-le. Un accès près de la porte. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Non mais moi... Plus je m'enfonce, moi je me sens bien. Hein. Oh le gros plaisir ici. Je savais même pas que j'avais ça dû en fait. J'étais tombé deux fois. Bah oui, j'ai perdu de la vie. Ah bah du coup on va devoir rejouer contre l'autre. Oh merci beaucoup Sundy. Comment tu vas? Merci beaucoup du coup pour ton host et bienvenue à ceux qui regardaient Sundy. On est dans un monde complètement différent. Fini la piraterie maintenant. Vous êtes dans la force. Est-ce que vous sentez cette force? Vous sentez que je vais me faire dépouiller dans deux secondes parce qu'en fait il y a un gros mob en difficulté max mais il tabasse un peu. Sinon tout va bien. Ah si je gagnerai. Oh bâtard! Allez, viens te battre! Voilà! Me suis battu, t'as vu? Sean Padawan. Eh non, non, non! Moi, ma difficulté, c'est maître Jedi, d'accord? Et du coup, lui, je suis obligé de le revaincre. Notre steam. Attention, il remet des baffes à la fin. Voilà. Y a pas moyen de margouliner comme ça là. Non. Et ça finit par passer. Je crois que mon live ils disent qu'ils ne voient pas. Ah merde. Oui oui je l'ai activé oui. C'est pas parce qu'il y a une pub ou un truc bugué comme ça.
Je sais que des fois ça peut foutre la merde, mais non, non, normalement j'autorise les hosts. Il y a un instant, il y a Valkyns qui m'a raidé. Je sais pas du coup si de son côté ça a marché. Sinon après faut cliquer sur le lien du coup quand tu hostes une personne, faut que la personne clique sur le lien. Alors attendez, ouais c'est bon, c'est bon. Allez. Ici voici le prank. J'aimerais bien aller là-bas mais je peux pas, surtout que c'est une sauvegarde. On a ce frère là qu'on va tuer de façon Assassin's Creed. Mais version Jedi. Ouais, on est obligé d'aller là-bas. Lance-moi un Steam BD. Juste à temps. Et on fait du slide aussi dans ce jeu. Et il y a des araignées de temps en temps. Voilà. Elle, par exemple, c'est elle qui m'a tué à la fin. La saleté. Voilà. Ça lâche de l'acide, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone de plaisir? Je crois que ces plantes feraient peur à Grise, mais voilà, c'est Grise. Yo, Boop, comment tu vas? Ah, tout de suite, gros plaisir ici. L'exploration est de mise. On aime tout ça là. J'aime pas le potentiel gros monstre qui traîne dans la zone par contre. Parce que j'ai pas encore sauvegardé. Donc bon. Est-ce que tu scannes encore ? Oh ! Voilà. Voilà. Je trouve que même Dagobah pour le coup est plus classe quand même. Hein. Ça va bien, Boop, ça va très bien. On avance tranquillement dessus. On est sur Datomir, la planète du plaisir. C'est marrant parce que... Alors, ça serait plus de Nurgle, du coup. Hein. Ah, sauvegarde! Une sauvegarde. Ne jamais renier une sauvegarde. Et j'ai 3 points que je garde, comme d'habitude. Ah, salut toi. Laisse-moi deviner, ça sera jonché de ça maintenant. Voilà encore une de ces choses. Eh. On a la maîtrise de la bébête, hein. Oh. La maîtrise du pont aussi, de l'écho, là. C'était une arène autrefois. Les frères de la nuit se jugent à leur puissance. Coucou l'araignée. Coucou l'araignée. Yeah.
m'aider? Oh, bande de salauds! J'ai besoin d'un coup de main. Ah, j'aime mieux ça. J'aime pas quand ils me font ça. Ah oui, il y a des morts vivants maintenant dans Star Wars. Si vous ne saviez pas. Tu t'amuses bien, BD? Hey, BD! Tout, du coup, Bruce Pal. Voyons ce que t'as trouvé. Un matériau de poncho. Ah tiens, un poncho dans les couleurs du truc, non? Un poncho dégueulasse, peut-être? La savane. Allez. Et la savane. Un peu la merde ici, hein. Un écho. Un vaisseau s'est crashé. Il fuyait quelque chose. La mort. Non. Avez-vous... Ah tiens, par rapport à... à Sia aussi. Avez-vous peur de la mort? Alors, je suppose qu'ici, ça va être le plaisir absolu. Oh, qu'est-ce que c'est? Regardez-les courir. Eh, je t'ai vu, hein. Ne te cache pas, hein. Oh, il se tape. Vengeance pour mes sœurs. Un steam BD. Quel... en plus, il avait plus de vie. J'en ai fait un full vie tranquillement. Et lui, je sais pas pourquoi. J'ai très mal timé. Je connais pas encore assez le monstre. Donc du coup, bah voilà. J'ai fait de la merde. Le problème, c'est que voilà, ça me ramène ici. Pas par ce côté-là, je crois. C'est quel côté que je dois aller? Ah, mais en fait, je dois juste monter là-haut. Ah oui, 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 c'est bon, oui, oui. Et bien sûr. Là-bas. Ah, mais si je... Ah oui, mais c'est verrouillé. Bah oui. Bah oui, sinon, c'était pas du jeu. Voilà. J'avoue, lancer mon sabre aurait été pas mal, hein. Non ! Calmez-vous ! BD, j'ai besoin d'aide. C'est dommage que ça soit buggé ici. Parce que du coup, elles étaient dans un coin où elles ne savaient pas gérer la chose. Parce que les mobs sont dans une arène avec un wall invisible. Du coup, j'en ai un peu profité, j'avoue. J'ai pêché. Alors, c'est mon mob, hein. Maintenant, BD. Si je pouvais éviter de mourir encore comme un caca. Ah voilà, une graine peut-être. Au travail, BD. C'est ça en plus. Ah non, une plante saignante.
Visiblement, c'est une plante qui a ses règles en permanence. Pardon. Ah, 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 ah. Ah bah voilà, la graine maintenant. C'est bien des graines de Datomir qu'il voulait qu'on rapporte. Ouais, je crois qu'il voulait ça, mais... Ah, salut! C'est toujours un pétard mouillé, ça. Il y a combien de... Voilà. BD, t'as un truc pour m'aider ? Super. Au lieu d'attendre bêtement qu'elle fasse son truc, bah moi je me tape avec directement au pamper. Bon, vu qu'on a tout tué maintenant, on sait qu'on va pouvoir passer cette zone si jamais on meurt. Sans se dire, on a mal fait notre truc. Ah ah! Des sœurs du plaisir. Ça a commencé à être tendu. J'ai plus de soins, moi. Il n'y a plus de soins, on meurt. On meurt, on recommence. Ou alors on loot. Il est vrai aussi. Si je loot, quelqu'un m'en veut ? Non, c'est bon. T'es un petit curieux, hein ? Qu'est-ce que c'est, BD ? Un nouvel interrupteur. Non ? Non, 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 ça m'inspire pas confiance à faire. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Attendez, faut fouiller, hein. Wow. Ah. Ah, mais alors attendez deux secondes. Parce que forcément, on va regarder ce qu'il y a à droite. Mais ça sera pas la sortie. Voilà. Il y a juste un écho ici. Les sœurs de la nuit appelaient leur leader mère. Sa magie était redoutable. Ouh ! C'est passé juste à temps. Non. Alors s'il y a un gros monstre, je suis pas chaud, hein. Ah. Ça ne me dit rien qui vaille. Gorgara. Salut toi. Ne prête pas attention. C'est un mauvais présage. Un indésirable. Il tente de s'enfuir. Bon, du coup, on va skip tout ce qu'on a fait et on va aller jusqu'à là. Hein. J'ai pas envie de me retaper toutes les sœurs. C'est cool l'XP, mais. Le rocher sur charnière. C'est un peu ça, ouais. Alors, du coup, on nous demande d'aller là, de passer par là. Donc, du coup, je vais faire le tour et je vais courir en fait, hein. On va courir. Je vais vous montrer comment je cours vite. C'est où déjà ?
beau travail, BD. Non, c'est pas là. Alors on évite de perdre la vie bêtement. On sait comment elles font, voilà. Voilà. Je sais plus s'il y avait une bête ici. Voilà, on en est là où il faut. Cacher tes faiblesses. Ah, tu périras. Tu ne mourras pas. Allez. Oh, le petit ralentissement, il était goldé. Hein. J'en ai calmé un pour mieux gérer les deux. Ah, combo bop. Fais voir ça. Montre-nous, Billy. Merci, BD. Les chaînes de feu. Bah, y en a depuis un moment. Les chaînes de feu poussent naturellement sous la chaleur de Datomir. Sa couleur rouge vient de l'absorption de soufre et d'autres poussières contenues dans l'air. La variété datomirienne est si résistante qu'il est presque impossible de l'arracher. Sauf que je suis sûr que dans pas longtemps, on va y arriver. Voilà. Oh les salauds. Ça a tenté un trap dans le dos. Je retiens. Par contre la sauvegarde, ça serait pas mal à un moment. Hein. Oh. Oh le bait, les salauds. Oh, 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 j'allais louper ça en plus. Je pense qu'on a fait pas mal de mobs quand même. Hein. Vous n'avez rien à faire ici. Les frères vous tueront si vous restez. Bien. Je suis voilà. Sûr que ton pouvoir les dépasse. Bien, bizarrement. Voilà, négociation. Donc on va savoir que le junkie, c'est sûr que c'est un mauvais. Ça se voit à sa tête. On juge au faciès parce qu'en fait, il a une cape noire tel un cultiste. Voilà. Donc on l'a tout de suite jugé. On l'a catégorisé. Et bah voilà, raccourci. Donc maintenant, si je meurs, j'ai un raccourci. Par rapport au truc, faut que je retienne par contre. Hein. C'est derrière, je saute là, ok. Allez, c'est sûr que j'ai rien d'autre? Je pense pas. Oula, il y a eu un freeze quand j'ai fait ça. Vous avez vu le truc là? Seule la mort t'attend ici. Arrête de dire ça!
Ah, bah peut-être que la mort m'attend en effet. Peut-être que la mort m'attend, c'est probable. La petite sauvegarde ici, vraiment proche de l'autre. Pour l'instant, on est sur du puzzle jump. Donc ça va. Il y a une grosse arène ici, hein. Pourquoi j'aime pas... Et je parie que c'est la grosse bête. Attends, c'est peut-être dangereux. Et voilà. Ça, c'est le copain de tout à l'heure, ça. Allez, boss. Salut, toi. D'accord. M'aider, ici. Ok, ça, ça se part. Ouh. Non. Aïe. Ok, il est... Alors, je vais réessayer un ou deux tries sur cet épisode. Si jamais j'y arrive pas, on fera ça au prochain, le boss. Je l'aime bien. Ah, je l'aime plutôt bien. C'est un petit boss à la cool, ça. D'ailleurs, à regarder si on n'est pas capable d'augmenter la puissance peut-être que l'on a. Je vais essayer un truc.
Quoi? Ok, ok, ok. Attention, il vomit. Attention, il vomit. Putain, j'avais oublié cette attaque. Ok. Et bienvenue, bienvenue chaton, bienvenue, viens regarder ce stream animalier, parce que nous sommes aussi des animaux. Alors bien sûr, si je tape cette bête là, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce qu'elle m'attaque, c'est de l'autodéfense. De même, tu ferais pareil chaton. Peut-être avec plus de classe, en tout cas plus mignon. Ok, j'ai compris des trucs. Mais non, mais quel con! Ok, j'avais dit 2-3 tries, on va y arriver au prochain épisode. Sur ce, je vais m'arrêter du coup pour YouTube. Et au prochain, il tombe. Ciao, ciao.